Monsieur Anouar Mahfouf, ministre de Technologie, de la Communication et de l'Économie numérique. Monsieur Khalil Amiri, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la Recherche scientifique. Monsieur Li Ji-Kwang, vice-président du Bureau de l'Afrique du Nord de Huawei. Mesdames et messieurs, chers jeunes amis, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du concours national de TIC en Tunisie organisé par la société Huawei. Au cours des dernières années, les technologies de l'information et de la communication ont connu un grand essor en Chine. Jusqu'en août dernier, la Chine totalise 1 milliard 140 millions d'abonnements à Internet en haute débit, compte 1 milliard 280 millions d'utilisateurs du réseau 4G et prépare le déploiement du 5G de l'Internet mobile ultra rapide. Et la Tunisie, elle aussi, s'avance vers une société digitale en réalisant progressivement le plan Tunisie numérique 2020. En tant que pionnier chinois des télécommunications, Huawei s'est implanté en Tunisie il y a presque 20 ans et s'engage depuis toujours avec ses partenaires tunisiens dans une coopération gagnant-gagnant. Elle privilégie la localisation dans sa stratégie d'exploitation en vue de bien s'intégrer dans des pays étrangers et créer plus d'emplois locaux. Parmi les 180 ingénieurs travaillant dans le bureau de Huawei en Tunisie, 90% sont tunisiens. Encourager la formation en matière de TIC est une autre priorité de Huawei. À part du projet Siemens pour le futur qu'elle a implémenté pour 4 ans consécutifs en Tunisie, Huawei a ouvert à Tunis Huawei ICT Academy, la première du genre dans les pays francophones africains, qui envisage de former 10 000 diplômes tunisiens en TIC d'ici 5 ans. Le concours des TIC organisé par Huawei est une occasion pour les jeunes tunisiens d'améliorer leurs compétences en TIC, leur permettant d'avoir plus de chances de réussir dans leur future carrière professionnelle. Mesdames et messieurs, chers jeunes amis, lors du sommet du Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, le gouvernement chinois a décidé d'accorder 50 000 bourses d'études aux pays africains d'ici 3 ans et dans la période à venir. Je suis convaincu que de plus en plus d'étudiants tunisiens bénéficieront des bourses d'études du gouvernement chinois pour poursuivre leurs études approfondies en Chine. Et j'espère, bien sûr, que les jeunes étudiants ici présents feront partie des boursiers et joueront un rôle important dans les échanges amicaux entre les peuples de nos deux pays. Pour terminer, je vous souhaite, les jeunes talents, bon courage et bonne chance pour les concours et plein de succès dans vos efforts.